Les animaux très sauvages avaient coutume de taper sur les petits curieux. Plus étrange encore, à cette époque, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un gros nez et il ne pouvait rien attraper avec. En Afrique, un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité. Ce qui veut dire qu'il posait toujours des tas de questions qui énervaient tout le monde. Il demandait à sa grande tante, l'autruche. Pourquoi les plumes de ta queue poussent-elles comme ça? Dis, pourquoi? Et l'autruche lui donnait la seule réponse qu'elle connaissait. Il demandait à son gros oncle, l'hippopotame. Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Dis, pourquoi? Son gros oncle lui répondait comme il pouvait. Il demandait à sa haute tante, la girafe. Pourquoi ta peau est-elle toute pleine de taches? Dis, pourquoi? Et sa haute tante, la girafe, le prenait de très haut. Il demandait à son oncle poilu, le babouin. Pourquoi les melons ont-ils ce goût-là? Dis, pourquoi? Et son oncle poilu, le babouin, lui répondait de son gros poing plein de poils. Dis, pourquoi? Il n'obtenait aucune réponse, mais continuait à poser des tas de questions sur tout ce qu'il voyait, pourquoi entendait, sentait ou touchait. Un beau matin, dans la période précédant les équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant posa une question qu'il n'avait encore jamais posée. Qu'est-ce que le crocodile mange pour son dîner? Et la réponse fut terrible. Assez, tais-toi! Non, ça suffit! Alors, il alla trouver l'oiseau Colo-Colo qui était le plus sage de tous ces sauvages. Mon père, ma mère, tous mes oncles et tantes m'ont tapé à cause de mon insatiable curiosité. Et pourtant, je voudrais quand même bien savoir ce que le crocodile mange pour son dîner. Va sur les rives du grand gris et gras fleuve Limpopo, tout bordé d'arbres à fièvre, et là, tu trouveras. Le lendemain, l'enfant d'éléphant prit 100 livres de bananes, des courtes, des rouges, 100 livres de canne à sucre, des grandes violettes, et 17 melons, pas moins. Et il dit à sa chère famille... Au revoir! Je vais au fleuve Limpopo pour savoir ce que le crocodile mange pour son dîner! Et tous, à leur manière, lui souhaitèrent bonne chance. Il s'en alla, un peu déçu par sa chère famille, jonchant son chemin d'épluchures de bananes et de melons. Il alla de Graham à Kimberley, et de Kimberley au pays de Kama. Et de Kama, il se dirigea vers le nord-est, jusqu'à ce qu'il arrive sur les rives du grand, gris et gras fleuve Limpopo, tout bordé d'arbres à fièvre, exactement comme l'avait dit l'oiseau Colo-Colo.
faut que vous sachiez que jusqu'à cette minute, notre enfant d'éléphant n'avait jamais vu de crocodile. Vous savez absolument pas à quoi ça pouvait ressembler. Sa première rencontre fut un python bicolore des rochers. Excusez-moi, mais auriez-vous vu un crocodile dans les environs ? Si j'ai vu un crocodile ? Et puis quoi encore ? Excusez-moi, mais pourriez-vous me dire ce qu'il mange pour son dîner ? Allez, va-t'en ! C'est étrange, personne ne me répond jamais, vous, pas plus que les autres. Au revoir ! Un peu déçu, un peu vexé, l'enfant d'éléphant continua son chemin jusqu'à ce qu'il tombe sur le crocodile. Excusez-moi, mais auriez-vous vu un crocodile dans les environs ? Approche, petit. Pourquoi poses-tu cette question ? Excusez-moi, mais mon père, ma mère, ma tante l'autruche, mon oncle l'hippopotame ne m'ont pas répondu. Sans parler du python bicolore des rochers qui n'est pas plus gentleman que les autres. Alors, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, répondez-moi. Approche, petit. Je suis le crocodile. Et le crocodile pleura des larmes de crocodile pour bien montrer qu'il disait la vérité. Ah, vous êtes celui que je cherche. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous mangez pour le dîner. Approche, petit, approche. Je vais te le dire à l'oreille. Vois-tu, aujourd'hui, je pense que je vais commencer par de l'enfant d'éléphant. Lâchez-moi, vous me faites mal. Mon jeune ami, tirez immédiatement et instantanément de votre côté aussi fort que vous le pouvez, car votre copain en forme de sac à main... Il voulait dire le crocodile. ...va vous envoyer barboter au beau milieu du fleuve avant que vous n'ayez pu dire ouf. Les serpents pitons bicolores des rochers parlaient toujours comme ça. L'enfant d'éléphant tira, tira, tira. Le crocodile tira, tira, tira et... Le nez de l'éléphant commença à s'allonger. Bientôt, il mesura 5 pieds de long à vue de nez. Stop ! S'il vous plaît, j'en peux plus ! Jeune voyageur téméraire et inexpérimenté, nous allons augmenter la tension, sinon cette machine de guerre à propulsion intégrée et double pont blindé... Il parlait du crocodile, bien sûr. ...va définitivement compromettre votre future carrière. Je vous l'ai dit, les pitons parlaient toujours comme ça. Ce face-à-face, enfin ce nez à nez, tourna à l'avantage des deux alliés. Merci. Pas de quoi. Et pourquoi fais-tu ça ? Excusez-moi, mais mon nez est complètement déformé. Alors j'attends qu'il rétrécisse. Eh bien, tu peux attendre longtemps. L'enfant d'éléphant resta là 3 jours, mais son nez ne rétrécit pas. Il était devenu une véritable trompe. Pas pu faire ça avec ton petit nez tout bête. Tu n'aurais pas pu faire ça non plus avec ton petit nez tout bête. Tu ne trouves pas que le soleil est très chaud par ici? C'est vrai. Et même ça, tu n'aurais pas pu le faire. C'est vrai. Et tu crois que tu supporterais d'être encore tapé? Excusez-moi, mais j'aimerais pas du tout. Et saurais-tu te défendre ?
Bon... Tu verras que ton nouveau-né sera très pratique pour ça aussi. Ah, merci, je m'en souviendrai. Comment allez-vous? Approche qu'on te tape un peu pour ton insatiable curiosité. Je pense que vous n'y connaissez rien du tout pour ce qui est tapé. Moi, je vais vous montrer. Wow, banane! Qui t'a appris ce tour-là? Et qu'est-ce qui est arrivé à ton nez? Le crocodile sur la rive du grand gris gras fleuve Limpopo m'en a donné un tout neuf. C'est vraiment laid! Oui, mais très pratique. Puis ce sauvage enfant d'éléphant tapa sur sa chère famille jusqu'à ce qu'il soit tous un peu honteux, un peu vexés. Alors ils s'en allèrent un par un vers les rives du fleuve Limpopo pour se faire refaire le nez par le crocodile. À leur retour, personne ne tapa plus sur personne. Et depuis ce jour, tous les éléphants que vous verrez, sans compter ceux que vous ne verrez pas, ont des trompes absolument identiques à celles de l'insatiable enfant d'éléphant.